Eh bien, salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo de notre Let's Play sur Resident Evil 4. Et on se retrouve ensemble pour notre épisode numéro 12. La dernière fois, nous avions vu Ashley se faire enlever totalement de façon impuissante. Et évidemment, encore une fois, elle se fait enlever. Mon Dieu, c'est terrible. On a trouvé une lettre qui parlait d'un rituel qui visait à transformer Ashley en une Illuminados. Donc à partir de là, il faut se démerder pour la retrouver vite vue. Et il y a deux putains de Wolverine et deux gars. Donc ces deux gars-là, je suis désolé, mais il est hors de question que je me fasse chier pour eux. Donc on va utiliser le sniper qui, à mes yeux, reste la meilleure alternative pour dégommer ce que j'appelle les Wolverines. Genre toi là. J'ai de la chance qu'il soit putain d'aveugle. Oh putain de merde. Oh j'ai eu mal. Ouf. Wow. Putain de merde. Ah mon Dieu la vache. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Ok d'accord, génial. Les mecs ont spawné en mode va te faire voir quoi. Oh putain de merde. Parce que techniquement, je crois qu'ils peuvent me one-shot s'ils m'embrochent. Donc, on va éviter de se la jouer en mode YOLO Swag. Là, ils m'entendent pas, normalement. Putain, j'ai buté son pote ou... Non, ils sont bel et bien deux, là. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Mais on y va doucement. On évite de faire du bruit. Parce que le bruit, c'est pas bien pour survivre. C'est comme dans Alien Isolation. Sauf que là, les mecs, j'ai un fusil sniper. Et que... Comment te dire que... Voilà. Par contre, t'es censé pas voir où je suis, en fait, mec. Alors là, ça c'est un truc que je me demande, c'est pourquoi avoir fait des créatures comme ça si c'est pour les rendre aveugles. À la limite, elles auraient été aveugles à cause du parasite qu'elles avaient dans le dos. Je dis pas. Mais là, il n'y a aucune raison de les avoir rendues aveugles. Oh. Du calme. Oula, il est en train de me charger. Du calme, Wolfie. Du calme, du calme, du calme. Couché. Chut. Putain, la vache. Bon. Alors, niveau munitions, ça va, il m'en reste 25 plus ce que j'ai dans le chargeur. Il est où d'ailleurs le monsieur? Il est là. Ok, donc ce que je vais faire, c'est je vais me mettre... Ah tiens, j'ai ouvert, j'ai entre-ouvert la porte là-bas. Je pourrais utiliser les cloches en fait pour le forcer à venir. Mais je suis du genre à faire dans la patience. Rien de ça d'être impatient. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Bien, donc on va repasser sur le 9 mm, le Glock 18. Parce que mine de rien. C'est bien.
Hop, on recharge quand même, histoire de 51 balles dans le chargeur, ce qui est tout à fait normal pour un DAO12. Putain, mais les mecs qui ont codé ce jeu, ils ont réfléchi comment? Déjà, un Glock 18 avec... avec 35 balles dans le chargeur. Bonjour! Ils ont réfléchi comment quand ils ont codé ce jeu, quoi, sérieusement? Quand ils se sont dit, ouais... Ça me paraît pas mal. Ashley. Oh putain, c'est vrai. Mr. Kennedy, don't you know when it's time to throw in the towel? Satisfying sound of one's impalement. Don't fall for this old trick. How dare you! No more games! Kill him! Kill! Quickly! We shall prepare for the ritual! Leon, you're alive. Moki, donc pas si mal hein. So maybe you have 9 lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Hmm. Say whatever you please. Die, you worm! Je crois qu'il est un petit peu contrarié. Mais juste un petit peu. Ok, donc voyons voir. Couronne, ça je garde. Parce que mine de rien, c'est le genre de truc à compléter. Ça, on s'en fout. Ça, je prends. Ça, si tu veux, je peux prendre. Bleu velours, je prends. Et dis donc, j'ai l'impression qu'il a la gâchette facile, le monsieur. Welcome. Ok, donc, vendre. Qu'est-ce que je peux vendre? Ceci. Ouais, on va garder ça pour l'instant. On va vendre cela. 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 Le bracelet, je le vends. La couronne, je la garde puisqu'il y a moyen de mettre des trucs dessus. Et surtout, on va sauvegarder parce que là, va y avoir un boss fight. Et pas des moindres. C'est certainement, à mes yeux, le boss le plus stylé du jeu. Mais bordel, ce qu'il est glauque. Voilà, hein, c'est... Herbe rouge, je prends, on sait jamais, ça peut être intéressant. Et là, voilà, hein, tu te dis, ok, il y a un... quelque chose, quoi. Alors, on va voir. Alors, juste 30 secondes, je vais faire une petite ellipse parce que faut que je règle un truc. Alors, excusez-moi, je voulais voir par rapport au décalage en fait. Enfin, pas le décalage, mais les sautes de son. Et. J'espère que ça va aller mieux comme ça. Ok, donc, on va voir. Ok. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas ce que c'est, mais ça va faire mal. En fait, si je sais ce que c'est, mais je fais genre, voyez, je vous mets l'ambiance, voyez. Examiner LN2, un réservoir d'azote liquide. Qu'est-ce que ça fait là? Alors, par contre, pour le coup, je pense que le DAO12 est une meilleure solution. Ouais, peut-être même le M1911. Je verrai en fonction. Je verrai en fonction. Mais il n'empêche quand même que ça va être assez rock'n'roll. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouvrir. Il n'y a que dalle. Ah si, des munitions. Ouais, non, munitions mitraillées, je vais pas m'encombrer de ça. Faudra peut-être déconner non plus, hein. Voilà. Bref, donc... Et donc, quand je vous disais que
Mais non, je l'ai fait, le QTE. Quand je vous disais que je trouvais que ce boss était super classe, c'est parce que je trouve qu'il ressemble énormément à un alien. Entre un alien et un prédateur, en fait. Mais rien que la queue, vous voyez, ça fait très alien. 15 munitions de fusil à pompe. Je ne vais pas dire non. Examiner. C'est un générateur électrique. Activer le courant. Oui. Courant vers l'ascenseur a été rétabli. Ok. Veuillez patienter environ 4 minutes pour que l'ascenseur arrive. 4. Putain. Aïe. 2 minutes. Alors, l'avantage, c'est que j'ai pas mal de trucs pour me soigner. Donc, tant qu'à faire, autant ne pas se priver. Hop. Examiner, la zone doit être bouclée par mesure de sécurité. Espérons que c'est temporaire. Ouvrir le volet ? Oui. On dirait qu'il ne va pas s'ouvrir pour l'instant. Ok, donc. C'est là, les amis, que ce truc-là va être utile et que là, je vais carrément passer au magnum, en fait. Parce que, non, mais là, faut pas déconner, en fait. C'est juste que le magnum... Ah, d'accord. Ah, si, c'est bon. J'allais dire, merde. Comment je fais? Il y a plus de quoi le contrer, en fait, le monsieur. Mais en fait, si, ça va. Donc, vas-y, ramène-toi, mon grand, je t'attends. Ok, salut. Bonjour. Ok, bon. C'est pas fini. C'est pas fini. Putain de merde. Donc là... Eh merde, je voulais faire le QTE avant qu'il n'apparaisse, mais non, ça ne veut pas faire ça. Il est où? Il est là. Il est badass quand même, cette saloperie. Ok, donc là... Ben, je crois qu'il a mouru, en fait. Ah bah, c'est parfait, ça. Moi qui craignais pour ma vie. Mais non, en fait, ça va. Combiner. Ah, examiner. Quoi, ça, tu joyau. Et on peut voir qu'il manque un joyau. Un joyau, la couronne. Et voilà, donc c'est, je crois, la première fois dans le jeu que j'ai vraiment utilisé le magnum comme il le fallait. C'est-à-dire en mode contre le boss fight. Enfin, en mode boss fight. Parce que, mine de rien, donc... le sniper fait 15 de dommages. Léo DAO 12 fait 12 de dommages. Et le M1911 fait 35 putains de dommages. C'est juste abusé. Et, en parlant de dommages, 4,5 de dommages pour le Glock. Donc, le gars, vous avez vu le nombre de bastons que j'ai foutu dans la gueule, c'est que quand même il était résistant. Et que je m'en suis pas si mal tiré, à mes yeux. Donc, on va avancer, on va continuer un petit peu. Et notez quand même que l'ambiance change un petit peu. The American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get a girl. Oh, and dispose of this swine while you're at it. Consider it done. Il a une sale gueule. Il a clairement une sale gueule, le mec. Donc Krauser, de son petit nom Jack Krauser,
Pour l'instant, je vous en dis pas plus par rapport à qui c'est dans l'histoire. Mais soyez assurés que vous le saurez bien assez tôt. Et l'endroit qu'on a vu, on le verra beaucoup plus tard, en fait. Voilà, je prends Spinel, je prends. Et 9 mm, je prends. T'as quoi d'autre à proposer? Rien. Si, là. Bien, donc, voyons voir. Welcome. Ce qu'on va faire, c'est ça sert à rien que je vende pour l'instant. Donc, Memo de Louis 2. Alors, un petit peu de lecture encore une fois. Rappelez-vous quand même que son premier mémo faisait 10 pages, là 8 pages, merci Louis. Le premier gouverneur du château a enterré les Plagas dans les profondeurs de la forteresse pour cacher leur existence. Mais quand Salazar a relâché les Plagas, qui aurait cru qu'il leur redonnerait vie? Hein? Donc en fait, ils... enfin oui... Ils étaient morts? Quand Salazar les a trouvés, ce n'était que des restes momifiés. Tout le monde savait que les organismes parasites ne pouvaient pas survivre sans l'un autre, mais quand Salazar et ses hommes ont déterré les restes, on aurait dit que les Plagas attendaient d'être trouvés pour venir à la vie. Plusieurs années plus tard, de mystérieuses convulsions ont commencé à affecter les habitants du village et ont participé aux fouilles. Puis, du jour au lendemain, ses habitants se sont transformés en sauvages violents. D'accord, charmant. On a appris plus tard que ces réactions étaient dues aux Plagas. Ils étaient momifiés, mais avaient survécu toutes ces années dans un état latent à un niveau cellulaire, sous forme d'entité semblable à des spores. Ça s'appelle les sporocystes, et en effet, c'est quelque chose qui est possible au niveau en effet cellulaire. Si une bactérie est dans un milieu qui n'est pas favorable, elle peut mourir, entre guillemets, et garder tout son génome concentré en une petite sorte de spore qui est capable de survivre à des conditions de température, de pression et de sécheresse assez, assez dingues. Donc c'est possible. Oui, c'est ma nature de microbiologiste qui ressort, je suis désolé. Lors des fouilles, les villageois ont inhalé les spores qui ont été réactivés dans leur corps, ainsi que les Plagas sont revenus à la vie. Au moment où j'écris ces lignes, on poursuit les fouilles pour trouver des Plagas. Dieu seul sait combien de bébés Plagas ont été ressuscités. Et ne parlons pas de la quantité incroyable de Ganados qui ont vu le jour. Il faut absolument faire cesser ce désastre. Si personne n'intervient, la secte va faire de nombreuses victimes dans le monde entier. Eh oui, mais le problème c'est que Louis en a payé de sa vie, c'est dommage. On continue un petit peu l'aventure. Mais ouais, donc en fait, ce que j'aime bien en fait avec Resident Evil, autant les premiers que celui-là, c'est que en soi, il y a une logique scientifique que j'aime bien. Voilà, ça c'est fait. Parce que, comme je vous l'avais dit, c'est, enfin, il y a des parasites qui existent réellement et qui, comment dire. Alors, voyons voir. Examiner. Attention, toute surcharge de dynamite sur le chariot provoquera un court-circuit. Alors ça, c'est le petit prétexte à la con, mais ça, on s'en fout. Il y a des parasites qui sont encore plus flippants que ce qu'on a dans le jeu qui existent réellement. Oups là. Après, un visé d'Arco. Moki, est-ce qu'il y en a un autre là-bas? Oui. Au revoir. Est-ce qu'il... J'en entends un autre. Oui, il est là le monsieur. Il est mignon le monsieur. Avec sa gueule de fou furieux. Bref, on avance. Par contre, je vais peut-être passer sur une arme plus conventionnelle. Ça peut être pas mal. D'accord, il y en a un qui me balance de la dynamite. Ou qu'il est le méchant monsieur. Alors, voilà. Ces Plagas sur le rocher semblent avoir été fossilisés ou même momifiés. Ces parasites ont l'air morts. Ouais. Oh.
Voilà. Ça, c'est réglé. On avance. Donc, on a visiblement... Oh, des munitions... Ah non, j'allais dire c'est des munitions de shotgun. Non, en fait, c'est de l'or. Bizarrement, j'aurais préféré les munitions de shotgun, en fait. Un disjoncteur, le courant arrive, je n'ai pas besoin de m'en servir. Ah oui, ok. Non, je fais les trucs à l'envers. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis du genre à faire de la merde. Hop, prendre, c'est bon. Alors, il faut que j'utilise ce truc-là. Ça lui permet de déplacer le chariot. Accès de levier, oui, pourquoi pas. Oh, il y a de la dynamite à l'intérieur. Oh non, ça a bloqué le mécanisme. Oh, il y a des gens qui ont spawné. Voilà, ça je préfère quand même, merci. Et son shotgun, merci beaucoup. On va rester 30 secondes avec le Glock. Parce que le 9 mm, c'est bien. Je voulais tirer dans sa main pour faire péter le truc, mais j'ai foiré. C'est pas grave. Donc, on va réactiver le courant. Et là... on va devoir aller réactiver... le monte-charge. Mais, évidemment, ça ne peut pas être aussi simple. Oubliez pas que cette saloperie peut me one-shot. Donc, dans le doute, voyez-vous, on va y aller. Oh, shotgun, meurt. Merci. Hop là, non, les mecs, non. C'est bizarre en fait de revoir des villageois. Parce que mine, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des villageois. J'ai un ticket en fait. Ça faisait un petit moment qu'on n'a pas vu les villageois. Accès du levier, oui. Et donc, le truc c'est que, étant donné que je sais ce qui va se passer, et que même si je n'avais pas eu le lance-roquette illimité, je vais racheter non pas un, mais deux putains de lance-roquettes, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, ne m'en veuillez pas, mais je vais utiliser le lance-roquette illimité pour la zone juste après. On va peut-être se casser histoire d'éviter de se faire péter la gueule. Voilà, muy bien. Et on avance. Le lance-roquette à la main. En mode RPG noob. TMTC. Ouh, munition de Magnum, je prends. Déjà, dans tous les jeux Resident Evil, dès qu'ils vous donnent des munitions de Magnum, ça veut dire prépare ton cul parce que ça va faire mal. En l'occurrence... duel giganté. Dégage. Et les gages. Ok, bon, ça c'est fait. Maintenant, je prends. Et je prends. En fait, il y avait une autre solution, c'est que j'aurais pu en buter un en faisant ceci et en faisant en sorte qu'il tombe dans la lave. Mais j'aurais pas eu la récompense. Donc bon, voilà. Oui, c'était la solution de facilité, mais comme je l'ai dit, si ce n'avait pas été avec le lance-roquette illimité, ça aurait été avec le lance-roquette classique. Tout simplement. Et on va quand même voir s'il n'y a pas un truc en haut. Mais il me semble que non. Non, il n'y a que ça. Le truc qui va descendre et... oh! Et avec ça, donc, le mec qui était là-bas, qui arrive ici, et où tu ouvres la trappe, et tu dégommes les deux en même temps. C'est une possibilité. Hein, j'ai déjà réussi à faire entrer les deux dans la... sur la trappe. Hein. Mais ah, t'es sérieux? Putain. J'ai
trop de j'ai trop de trucs, j'ai trop de putain de trucs. Oui, je sais. Oh. Et on avance un petit peu. Et j'espère sérieusement que je vais tomber sur... Putain, l'épisode d'aujourd'hui va être un peu plus long que prévu. Il va être plus long que prévu. Je crois qu'il est tombé. Un message dit, les deux lumières éclaireront un nouveau chemin. Nickel Chrome. C'est par où? C'est pas par là. Alors déjà, les mecs. Un peu de calme, s'il vous plaît. Parce que c'est pas que leur bruit est vachement irritant, mais quand même. Il l'est. Grenade aveuglante. Toujours bon à prendre ça. On a vu à quel point ça pouvait être utile quand même, les grenades aveuglantes. Ah, mais tu me saoules à me... Bah, c'est quoi? C'est quoi? Ah là. Je suis comme ça, moi. Je mets deux herbes vertes ensemble et boum, ça fait un mélange d'herbes vertes. Ok. Donc, une sorte d'interrupteur, appuie dessus. Non, on s'en déconne. J'ai fait tout ce chemin pour garder un interrupteur et ne pas appuyer dessus. Ah mon dieu! Le bruit des ailes s'est intensifié. Non, couché. Allez, t'en faut combien, toi, pour crever? J'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup là. Ah oui, il y en a même au-dessus là en fait, j'ai pas fait gaffe. Hein. Non mais faut se calmer là les gars, faut arrêter là. Je veux bien que vous êtes. Je veux bien que là soit limite un nid, mais il y a des limites. Voilà. Au revoir. Ok, il y en a peut-être un petit peu beaucoup là en fait. Putain de moustique, reviens! Putain, c'est comme les vrais moustiques, hein, c'est super chiant. Le bruit est supra énervant. Ok. Ok. Alors, toi tu te calmes. Toi tu te calmes. Non, mais non, mais non, 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 les gars, stop. Stop, les gars, bordel de merde! Le mélange d'herbes que j'ai fait tout à l'heure, finalement, il va m'être utile maintenant. L'avantage, c'est que ceux-là, ils ne sont pas putain invisibles. Vous entendez ça? Ce silence, comme quoi il n'y a plus de petits insectes, enfin de gros insectes. C'est apaisant quand même ça, non? Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve. J'aime bien. Bon, j'ai gagné quand même quelques munitions de shotgun, mais vu la quantité d'insectes qui étaient là, c'était une nécessité. Et le deuxième interrupteur est magie. Que la lumière soit, et la lumière fut. Parfait. Genre, ça fait fondre la porte. Je peux pas dire, mais quand même, c'est balèze, hein, ça a fait fondre la porte. Et évidemment, ça respawn, donc on va les attendre un petit peu. Bonjour. Non mais oh. Mais oh, il y en a combien là? Merci. Il n'y a pas à dire, le shotgun c'est vraiment une arme de contrôle de foule. Alors oui les gars là, mais comment dire que non en fait? Avec la cartouche.
sérieux quoi. Ah, ça je prends. Voilà. Fais des bisous. Ah, t'as vu dessus? Non, non, je suis venu pour faire absolument rien. Donc. Attention, un émeu difficile. Ça va. Il y a pire. Voilà. Et on arrive ici, on tire sur le levier. Oui! Et ça permet donc d'avoir le poids du milieu qui ne descend pas. C'est parfait. Et ça me permet de sortir de ce putain de merdier. Eh bah dis donc, ça aurait été un épisode relativement long quand même. Ah, l'insigne royal. Bien voilà. On a le dernier joyau de la couronne. C'est parfait. Voilà, la couronne de Salazar. Et voici qui termine le chapitre et également notre épisode. Parce que là, mine de rien, ça fait 31 minutes. Même plus de 31 minutes qu'on a commencé l'épisode. J'espère sérieusement que cette vidéo-ci, un petit peu à rallonge, épisode numéro 12, vous a plu. Si c'est le cas, je vous posais ça un petit like à la vidéo de votre chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Je sais, c'est la regalée habituelle, mais que voulez-vous. Merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode en entier, de suivre ce let's play en fait depuis le début. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et à la prochaine. Bye bye.